Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un petit paquet de chez AliExpress. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas reçu. Celui-là, je voulais vous le présenter parce que j'ai voulu passer cette commande parce que j'avais vu que pas mal de personnes avaient passé cette commande et je voulais voir ce que ça donnait. Donc ce sont des dies, voilà, et quand on commande, on ne sait pas ce qu'on reçoit, voilà, c'est la surprise. Donc on passe la commande, et donc la boutique c'est Left Store, voilà, mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Je vous mettrai le lien pour arriver directement sur... sur l'article, voilà. Quand vous commandez, donc vous savez uniquement que vous commandez des dies, mais vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Donc c'est un lot de 12 dies. Je sais que bon, des personnes ont commandé plusieurs lots. Moi j'ai tenté un lot, voilà. Les lots peuvent être différents, mais en prenant plusieurs lots, on peut des fois avoir des doubles. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne prendre qu'un seul lot pour voir déjà ce que ça donnait, pour voir. Et bon, je ne suis pas déçue. Bon, ce n'est pas des dies énormes, hein, de toute façon, vous voyez l'enveloppe. Et je les ai reçus quand même assez rapidement. Bon, ça a mis quoi 3 semaines, oui, je crois que ça a mis 3 semaines pour arriver, donc bon, c'est une bonne période, enfin, c'est un bon temps de livraison, hein, pour chez AliExpress. Donc voilà, je vais vous les montrer, et en même temps, j'ai déjà fait des découpes, comme ça, je vous montrerai les découpes que ça donne. Voilà, alors il y en a 12, donc celui-là je vais vous le montrer en dernier, je vous dirai pourquoi après. Donc, et voilà. Alors, je vais enlever des petits sachets peut-être pour que vous voyez mieux. Alors, je n'avais pas de double, donc ça c'est déjà bien. Mais normalement, dans ce que j'ai pu voir sur Facebook, les personnes qui ont commandé, dans les lots séparément, il n'y avait pas de double. Donc, ça va. Alors, le premier que j'ai eu... Alors, je vais essayer de vous retrouver en même temps les découpes que j'ai faites. Alors, ça, c'est les petits nuages. Alors, j'ai pris une feuille blanche pour vous montrer. Je vais la plier en deux. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, voilà, le premier. Donc, un lot de 3 nuages. Alors, moi, j'avais déjà des nuages, par contre. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, mon troisième nuage, il est là. Alors, là, moi, quand j'ai fait la découpe, comme vous voyez, j'ai pas... là, ils sont liés, hein, tous les trois. Je ne les ai pas découpés, donc j'ai fait une découpe entière. Donc voilà ce que ça me donnait. Mais si vous les découpez, votre nuage sera entier. Hein. Il n'y aura pas un trou comme ça. Voilà. Et donc le petit nuage. Donc les autres seront comme celui-là, une fois que vous aurez découpé la petite attache. Donc le petit, le moyen. Voilà, donc le moyen ça fera ça quand il est entier, voilà, et le grand. Excusez-moi. Ensuite, j'ai eu, alors celui-là je le trouve mignon. Donc là il n'y a pas de prix séparé, hein. Ça va être, c'est un prix, c'est le lot complet. Je vous donnerai son prix après. On va le mettre
avec le papier blanc. Voilà, une petite cafetière, enfin une théière, avec sa petite tasse, voilà, avec des mini cœurs. Donc, vous voyez par rapport à mes doigts, hein, la taille. Donc, la petite théière, elle est où, la petite théière? J'ai perdu ma petite théière, attendez. Ah, elle est là. Donc, voilà, la découpe. Voilà. Et ils sont... Vous voyez, ils ne plient pas, hein. Ils sont vraiment bien, bien solides. Hein. C'est vraiment des... Ils sont épais. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Donc, je sais, on va me dire qu'il faut refaire un tableau. Voilà. Ce petit rond avec les bougies pour un anniversaire, par exemple. Voilà. Alors, la découpe. Alors là, j'ai gardé les deux découpes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la première, voilà ce que ça donne. Voilà. Et j'ai gardé l'autre découpe quand même. Donc, le négatif, comme on l'appelle. Vous voyez, vous pouvez garder le négatif également. Dans ce cas, on refait un petit trait au feutre rouge en bas. Et on l'a en négatif. Ça fait très joli aussi. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors celui-là peut aller avec les bougies, hein, pourquoi pas. Un happy birthday avec des petits ballons ici au bout. Donc la découpe, elle est là. Et elle est vraiment très fine, elle est très belle. Ici. Alors, c'est un peu comme un petit arc-en-ciel avec des petits nuages. Voilà, les petits nuages en forme de petit bonhomme. Et je vous montre la découpe. Donc, elle est là. Voilà. Alors, celui-là, bah, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Allez, va sur le canapé. Monte. Monte. Monte sur le canapé. Allez. Monte. Voilà, c'est bien. Alors, on a nettoyé à fond le canapé parce qu'il y a eu un petit oubli sur le canapé. Et du coup, maintenant, on a mis un sac poubelle en dessous des couvertures. Bon, de toute façon, le canapé, c'est à eux. Hein. Il n'est plus à nous, il est à eux. Et du coup, on a mis un sac poubelle. Je crois que ça les stresse, le sac poubelle. Ça fait du bruit. Et du coup, je sais pas. Ils n'ont pas l'air enchantés d'aller sur le canapé maintenant. Alors, j'ai eu celui-là. Alors, je vais vous montrer la découpe. Donc là, je ne vois pas vraiment. Alors, si vous arrivez à me dire ce que ça peut représenter vraiment, moi, je n'arrive pas vraiment à
Ou peut-être un truc japonais ou chinois, ou je sais pas. Voilà ce que ça représente. Donc celui-là, je sais pas. Dites-moi votre avis, ce que ça peut représenter. Alors si on met dans l'autre sens. Un tourbillon. Hein? Dans ce sens-là, ça fait un tourbillon, moi je trouve. Donc voilà, je sais pas vraiment. Mais bon, il est joli quand même. Hein? Ici. Alors je sais que dans les lots, il y en a qui en ont eu des très beaux. Il y avait des tours Eiffel, des choses comme ça. C'est dommage, j'aimerais bien voulu avoir la tour Eiffel, mais bon, je ne l'ai pas eu. Là, le poisson. Alors, le poisson, je pense qu'on peut le faire en plusieurs fois. Je vais vous montrer quand il y a la découpe est faite. On pourrait le découper en plusieurs couleurs et faire le coller après avec les pièces, vous voyez là, ces pièces-là dans les trous, elles tombent, elles ne restent pas. Donc les récupérer et les recoller. Donc voilà, je vous montre. Parce qu'à la base, voilà ce qu'on récupère. Et donc si on fait plusieurs couleurs, par exemple comme pour faire un émo, ici, donc on pourrait le faire orange. Et récupérer et refaire une fois dans le noir et récupérer les pièces qui tombent en noir pour les remettre à l'intérieur. Voilà. Ou c'est dans le sens contraire, je sais plus vraiment où sont situées les couleurs orange et noir du Nemo, mais voilà. Alors, ici. Alors, là, c'est pas que ça se corse, mais il faut garder les pièces. Parce que là, vous avez des pièces. Il est en deux morceaux. Alors, je vous montre d'abord. Alors, il y a deux tailles. Il est encore attaché. Hein. C'est un éléphant. Donc, il y a le petit, là. Et le grand. Bon, il faut que je le détache, hein, normalement. Voilà. Alors, vous avez l'oreille, ici. Et là, le petit, il a son oreille là. Cette pièce-là se détache. Donc, faire attention de ne pas la jeter. Parce que sinon, ça, voilà ce que ça vous donne. Hop. Je vais vous montrer avec le grand. Voilà, sinon, vous avez un éléphant sans oreille. Et donc, alors, où j'ai mis son oreille, elle est là. Donc voilà, j'ai son oreille. L'oreille, elle se remet là, dedans, dans le trou. Et du coup, ce qui est bien, c'est de la remettre avec un 3D, avec un petit carré 3D pour que l'oreille ressorte un peu. Voilà. Donc comme ça, il a son oreille. Alors, j'essaie de vous montrer. Alors, bien sûr, elle ne sera pas en 3D, hein, mais. Voilà donc ce que ça donne quand il a son oreille. Voilà, et c'est pareil pour le petit. Vous voyez, le petit, il est là. Donc voilà. Pardon. Voilà. Donc là, bon, ça va être compliqué que je vous le tienne à la main avec son oreille, mais c'est pareil. Voilà, l'oreille, il faut la coller après. Voilà. Et ensuite, alors, là par contre, ça se corse. Quand je l'ai fait, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit là, d'ailleurs, bon, toutes les pièces sont dans ma petite boîte. Donc, ça permet aussi de le faire en plusieurs couleurs. Voilà, un petit toutou, comme ça. Mais quand vous le découpez, il est, alors tout ça, c'est des pieds, les oreilles, la tête, les pattes ici et le ventre, tout se détache. Voilà, tout se détache.
Alors, je vous montre. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le ventre et les pattes. Vous voyez? Le ventre et les pattes. Alors, il y en a quand même un peu qui... Parce que je n'avais pas passé assez à la machine. Bon, là, il n'y a plus qu'une oreille d'attaché, mais... Voilà. Et donc, la deuxième oreille est là. Normalement, tout se détache, hein. Sa deuxième oreille est ici. Alors, hop, viens là, toi. Je cherche dans quel sens ça se met. Attendez, je trouve pas le sens de son oreille. Hop, hop, hop. Oui, comme ça. Là, les pièces sont toutes petites, donc voilà, vous voyez, hop, et je remets son oreille ici. Donc voilà, ça vous permet de faire un petit toutou en plusieurs couleurs. Les oreilles plus foncées, la tête plus claire, voilà. Hein? Donc là, faut savoir que toutes les pièces du toutou se détachent. Ensuite, donc les deux derniers, ce sont les plus grands. Ah, j'ai laissé un petit bout de papier dedans. C'est rien, c'est pas grave. Hop. Ça y est, je l'ai enlevé. Alors, c'est une dentelle. Alors là, il est grand. Vous voyez? Et ça vous donne une dentelle très très fine que j'aime beaucoup. Comme ceci. Vraiment très joli. Et le dernier. Donc le voici, le voilà. Il reste un petit bout de rouge dedans, mais bon, ça fait rien. Le voilà. Alors, au début, je croyais que ça allait faire on pouvait faire une découpe en plein milieu, mais non. C'est pour faire une bordure. Voilà. Alors, je vous montre la bordure. Donc, j'ai pris dans le même papier où j'avais fait la dentelle, hein. Donc voilà la bordure que ça fait, toute fine. C'est vraiment très joli aussi ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors ce qui est bien, c'est que là, bah, du coup, je peux récupérer... Bon, ils sont tous dans la boîte, mais j'ai récupéré les ronds, même les petits. Donc même en faisant une bordure comme ça, après les ronds, bah, je peux les remettre sur la carte, par exemple. Ou voilà, je les récupère, j'en ai de toutes les tailles, du coup, des petits, des moyens... Vous voyez, tous les petits ronds qui sont là, je peux les récupérer et puis les replacer dans la carte si je souhaite. Ou alors, pareil, je coupe une première fois dans une couleur, par exemple, comme ici, le rouge, et je le recoupe dans une deuxième couleur, par exemple, en noir, et je récupère les ronds en noir et je les place sur ma carte. Et les ronds rouges que j'aurais récupérés là, ben je ferai le contraire sur une autre carte. Je ferai une bordure en noir et les ronds rouges, je les mettrai sur la carte. Voilà. Mais là, j'aime vraiment beaucoup. C'est très fin et j'aime vraiment. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis, quand on commande, donc on ne sait pas ce qu'on reçoit. Bon, je ne suis pas déçue. Alors, le 12e, oui. Alors, le 12e. Là, par contre, j'ai un petit souci. Je vais vous le montrer. Le dies en lui-même est bien, mais je vais vous montrer pourquoi. Alors, je pense que là, il faudrait que je prenne un papier. Là, c'est du cardstock que j'ai utilisé. Il faudra que j'utilise peut-être un papier un peu plus rigide que le cardstock pour me servir de celui-là. Parce que à la base, voilà. Alors, je vais d'abord vous le montrer à l'envers. Voilà, c'est un vélo, c'est un tandem.
Et voilà ce qui s'est passé. J'ai pas su enlever le papier dedans. Voilà, vous voyez. Enfin là, si, je peux l'enlever hein, maintenant. Si je l'enlève, là, bon, tout se déchire. Mais j'ai voulu le laisser pour vous le montrer. Vous voyez. Là, maintenant, si je veux le retirer, par exemple, là, tout va se déchirer. Parce qu'il est, c'est vraiment embriqué dedans, mais très, très fort. Vous voyez. Là, je tire. Donc, pour le petit vélo, comme il y a vraiment des pièces très, 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 très fines, je pense que je vais essayer avec un autre papier. Parce que là, ça ne marche pas. Donc, j'essaierai avec un autre. Et là, bon, il va falloir que j'y vais à l'aiguille pour... voilà, vous voyez. Et il faut que je le déchire pour le retirer. C'est dommage. Mais alors, je vais essayer de tout retirer pour vous le montrer. Mais là, comme ça, j'ai pas l'aiguille sous la main, donc j'y arriverai pas. Bon, j'arriverai pas, j'ai pas d'aiguille sous la main. Donc vous voyez, bon, sinon c'est dommage parce qu'il est tout mignon ce petit vélo. Donc c'est juste le petit hic. Mais je pense qu'il faut que j'essaye avec un autre papier. Un papier un peu plus rigide. Voilà, c'est tout. Bon, sinon je ne suis pas déçue du tout. À part ça, même à part ce petit souci là, mais je pense que c'est juste un souci de papier. Il faut que je prenne autre chose. Je ne suis pas déçue du tout de cette petite commande surprise. Voilà. Donc, je vous disais, c'est chez... Je vais me dire le nom. L'App Store. Donc, je vais vous mettre tout en barre d'infos. Alors, ce petit lot de dyes m'a coûté 3,49€, je crois. Si je me... 48 ou 49, bon, on va dire 3,50€. On va arrondir. Et il y a un tout petit peu de frais de port. Les frais de port sont à 98 centimes, voilà, à peu près. Donc, bon, c'est pas énorme. Bon. C'est... Ça va, pour 12 dyes. Ça va, je vous dis, je ne suis pas déçue. Je voulais le faire parce que j'ai vu que beaucoup le faisaient. Beaucoup étaient contents de leur commande. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Bon, je ne sais pas si je recommanderai d'autres lots, hein, d'autres lots surprises, parce que maintenant, j'aurais peut-être peur d'avoir des doubles. Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que je recommanderai un le mois prochain. Et puis, on verra si j'ai des doubles ou pas. Dites-moi si vous voulez que le mois prochain je tente, si vous voulez que je recommande un lot comme ça, un lot surprise, et comme ça on verra s'il y a des doubles ou pas. J'attends vos réponses. Si vous me dites oui, ben je le commanderai. Si vous me dites non, ben je ne le commanderai pas. Voilà. Alors vous me dites en commentaire. Si vous voulez que je recommande un lot comme ça, un lot surprise de dyes, et puis ben, je ferai comme vous m'aurez dit. Voilà, de toute façon à ce prix là il n'y a pas de souci. Et puis comme ça je referai une vidéo et on verra ensemble ben, si j'ai eu des surprises ou pas. Voilà, donc j'attends vos commentaires, vous me dites si vous voulez que je recommande un lot ou pas. Ok. Donc voilà, pour ce soir, c'était une petite vidéo, pas très longue. Bon, elle fait quoi, une petite demi-heure. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Normalement, la prochaine, ce sera peut-être cartonnage. Et puis il y aura encore Diamond Painting, bien sûr. Et le 21, n'oubliez pas, le concours s'arrête. Donc, si vous n'avez pas encore participé au concours, bon, j'ai encore une tête, moi. Si vous n'avez pas encore participé au concours, allez-y vite, parce que là, le 21, fini. Finito. Terminé. Plus de concours.
Et il y aura le tirage au sort donc du concours Diamond Painting. Voilà. Je vous remets le lien en fin de vidéo. Comme ça, pour celles qui ne l'ont pas encore vu, vous pourrez y accéder. Et on n'oublie pas, il faut être abonné à ma chaîne pour participer au concours. Voilà. Alors, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Comme ça, vous ne ratez rien, surtout les concours. Et des petits pouces bleus pour faire connaître la chaîne. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.